Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 9 de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Et le premier défi va vous demander de demander une frappe aérienne à l'impacteur ou à la forteresse. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à l'un des deux endroits cités dans le défi, donc soit l'impacteur qui est le nouvel endroit qu'il y a juste en face de moi, donc juste ici. Au-dessus de Tilted Tower, ou soit vous vous rendez à la forteresse, donc c'est pareil, et vous faites le défi à la forteresse. Donc ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est de trouver une frappe aérienne. Donc les frappes aériennes, vous pouvez les trouver posées au sol comme ça par terre, vous pouvez les trouver dans des coffres et vous pouvez les trouver dans des ravitaillements. Donc voilà, dès que vous avez trouvé une frappe aérienne, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer cette frappe aérienne au lieu, sur le lieu indiqué dans le défi. Donc là, par exemple, je suis à l'impacteur, je lance la frappe aérienne à l'impacteur et là, vous aurez terminé le défi. Après, vous pouvez le faire aussi à la forteresse qui est juste là-bas, donc c'est la grosse foreuse à côté de l'état-major enfoui. Donc la grosse foreuse qu'on voit là-bas. Donc soit vous lancez une frappe aérienne à la forteresse ou à l'impacteur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'utiliser une poignée d'ascension et d'infliger des dégâts à des adversaires en moins de 30 secondes. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement de vous rendre à l'état-major enfoui, donc juste ici sur le gameplay. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est tomber à l'intérieur de la grotte. Donc regardez, ici à l'intérieur de la grotte, il y a deux poignées d'ascension. Donc c'est des tyroliennes, mais qui montent. Après, il y en a aussi ici, pour monter dans le dirigeable. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ceux qui sont là en dessous. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez à l'état-major, vous sautez dans l'eau, comme ceci. Ensuite, vous sortez de l'eau, vous prenez la tyrolienne pour monter. Là, vous vous relaissez tomber dans l'eau. Et là, vous infligez des dégâts, par exemple, aux gardes de l'IO. Vous dites, what the fuck, il m'a one shot? Il m'a one shot? MDR. Donc, soit vous utilisez, vous faites des dégâts dans les 30 secondes qui suivent après avoir utilisé votre poignée d'ascension contre les gardes de l'IO, ou soit il faudra le faire sur les réels adversaires, parce que je ne sais pas si ça fonctionnera contre les gardes de l'IO. Logiquement ça peut peut-être fonctionner parce que ça reste des adversaires, mais si ça ne fonctionne pas il faudra faire ce défi avec des réels joueurs. Donc voilà, essayez de trouver une personne, un adversaire. Ensuite, vous utilisez la poignée d'ascension, soit pour monter dans le dirigeable, soit pour descendre ou monter un peu plus haut sur l'état-major. Vous l'utilisez et ensuite, vous avez 30 secondes pour infliger des dégâts. Ah oui, très important, vous allez devoir infliger 100 de dégâts pour terminer le défi. Donc en soi, c'est pas très bien compliqué. Hein. Regardez, même en descendant, vous descendez, vous cherchez, même si le garde de l'IO, ça fonctionne pas, vous cherchez un adversaire dès que vous en voyez un. Vous sautez, enfin vous prenez la poignée d'ascension, vous sautez vers l'adversaire, vous utilisez, je sais pas, une mitraillette ou quoi pour tirer à distance, c'est pas un souci, et vous infligez 100 de dégâts dans les 30 secondes après avoir utilisé la poignée d'ascension. Donc c'est une poignée qui monte. Peut-être qu'il y en a d'autres hein, dans la map, mais au moins à l'état-major, je sais qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, utilisez cette poignée, infligez des dégâts, 100 de dégâts, et dès que ce sera fait, ben, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer sur les pneus de véhicules de l'IO. Alors, les véhicules de l'IO, c'est tout simplement les véhicules noirs que vous voyez ici. Regardez devant moi. Ça, c'est un véhicule de l'IO, tout simplement parce qu'il y a le logo dessus. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer dans trois pneus des véhicules de l'IO. Donc là, regardez, hop, je tire dessus une fois, deux fois. Et là, je pète trois pneus. Dès que vous aurez pété trois pneus, ben là, vous aurez terminé le défi. Alors, très important, les emplacements des véhicules de l'IO. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de venir à l'état-major enfoui juste ici. Ou alors, carrément, vous allez vous rendre juste ici à côté du pont. Là aussi, il y a un véhicule de l'IO, bien souvent. Donc, on peut le voir. Regardez, je vais le pinguer.
voilà, Pravelan JG2020, ça c'est un véhicule de l'IO. Donc il y en a un peu partout hein, sur la map de Fortnite, je pense pas que vous allez galérer à en trouver, mais si vous venez ici, vous aurez de grandes chances à en trouver. Après, principalement, c'est les véhicules des gardes de l'IO, vous les trouvez dans des bases de l'IO principalement, enfin là où il y a des bases, vous allez pouvoir en trouver plus facilement. Donc voilà, dès que vous aurez pété 3 pneus d'un véhicule de l'IO, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire avec un fusil à pompe de braconnier à plus de 50 mètres de distance. Donc tout d'abord, pour réaliser ce défi, il vous faudra un fusil à pompe de braconnier. Donc c'est celui-ci, vous pouvez en trouver un peu partout sur la map, hein. Ils sont posés au sol comme ça, vous pouvez les trouver dans des coffres et il y en a de plusieurs raretés. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire à plus de 50 mètres de distance. Donc ça tombe bien parce qu'en fait ce pompe peut tirer à de très longues distances, donc c'est pas un souci. Donc vous pouvez essayer de le faire contre les gardes de l'IO à l'état-major enfoui, à la forteresse ou alors à l'impacteur pour réaliser ce défi. C'est possible que ça fonctionne avec les gardes de l'IO. Si ça ne fonctionne pas contre les gardes de l'IO, il faudra le faire contre des adversaires, des vrais joueurs. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, regardez, là il y a un garde de l'IO. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est pinguer. Là je suis à plus de 50 mètres du garde de l'IO. Donc vous tirez et là vous aurez terminé le défi. Parce qu'il suffit juste de le toucher une seule fois à 50 mètres de distance pour terminer le défi. Alors, pour pinguer, il suffit juste de faire flèche de gauche. Parce que parfois, quand je dis pinguer, les gens ils me demandent c'est quelle touche. Moi, c'est flèche de gauche. Mais après, c'est possible que vous, c'est une autre touche. Je ne sais pas, en fait. Donc, regardez, vous allez dans vos paramètres pour savoir. Vous allez dans manette. Et là, vous allez dans personnaliser. Vous allez dans commande de combat. Vous allez regarder, là il est marqué placer marqueur. Donc il faut absolument que vous allez dans vos actions et vous sélectionnez placer marqueur. Donc moi c'est flèche de gauche. Donc quand je vais faire flèche de gauche, ça va lancer un ping directement. Donc moi ce que je dois faire maintenant, c'est tout simplement, donc l'astuce, c'est de pinguer un adversaire pour voir à combien de mètres il est. S'il est à 47 mètres, bah, vous reculez tout simplement. Vous éloignez de l'adversaire. Voilà. Là on va pinguer un peu où est-ce qu'il est. Là, je crois qu'il est à 71 mètres. Ouais, on va même monter un petit peu pour voir un peu parce que là, je vois pas très bien parce qu'il est en contrebas. Voilà, je ping jusque là. Il est à 77 mètres. Regardez, à 77 mètres, j'arrive encore à lui infliger des dégâts. Donc voilà, il faut juste s'assurer que vous êtes à une bonne distance, au moins minimum 50 mètres pour lui infliger des dégâts et terminer le défi. Dès que vous l'aurez touché une fois, bah là, ce sera terminé et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de conduire un bus de combat ou piloter un Chopa jusqu'à l'état-major enfoui. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bus de combat et des Chopa de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de venir ici sur le gameplay, donc à côté de l'état-major enfoui. Juste ici, il y a un hélicoptère qui vous attend. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre cet hélicoptère et ensuite de vous diriger vers l'état-major enfoui qui est juste à côté. Donc l'état-major enfoui, c'est juste là. Hop. Donc si vous prenez l'hélicoptère juste ici, ensuite que vous allez à l'état-major enfoui, bah là, vous allez finir le défi très facilement et très rapidement. Si vous prenez un bus de combat, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je vous propose d'utiliser un Chopa, donc un hélicoptère, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Donc pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre au-dessus de l'état-major. Donc rendez-vous bien au-dessus de l'état-major, quitte à même toucher la grosse antenne pour être sûr que ça valide bien l'emplacement au cas où. Hein. Mais normalement, vous avez juste à vous rendre au-dessus de l'état-major et normalement, ça validera l'emplacement directement. Et dès que vous serez au-dessus de l'état-major avec votre bus de combat ou votre Chopa et donc hélicoptère, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de réparer un véhicule à Synapse Station ou au circuit Schonker. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit au circuit Schonker qui est juste ici, ou soit à Synapse Station, un des deux lieux. Donc de toute façon, dans les deux lieux, vous trouverez des véhicules facilement. Donc regardez, là, j'ai un véhicule. Bah, je pense que Circuit Schonker, vous allez en trouver plus parce que bah, y a les Wish Splash, un truc dans le genre, qui sont sur le circuit. Donc je pense que c'est peut-être mieux d'aller au Circuit Schonker. Mais de toute façon, avant de réparer un véhicule, ce qu'il vous faudra trouver, c'est
un chalumeau de réparation. Donc ces chalumeaux de réparation, vous pouvez les trouver posés au sol, comme ça sur Fortnite, ou vous pouvez les trouver dans des boîtes à outils rouges. Donc les boîtes à outils rouges, bien souvent, elles se trouvent à la place des boîtes de munitions. Donc vous pouvez en trouver dans des hangars, dans des garages, un peu partout, même dans des maisons, vous pouvez en trouver. Hein. C'est des boîtes à outils rouges. Je vais essayer de vous en trouver une vite fait. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble au cas où vous n'étiez pas au courant qu'il y en avait. Donc là, je vais en chercher une et je vais vous montrer ça. Ok, c'est bon, je viens d'en trouver une. Donc regardez juste ici, ça c'est une boîte à outils rouges. Alors principalement, les boîtes à outils rouges peuvent vous donner des chalumeaux, des chasse-pierres et des pneus tout-terrain. Donc bien entendu, ça ne vous donne pas à tous les coups un chalumeau de réparation. Mais bon, voilà, c'est principalement, ça vous donne trois choses. Vous avez une chance sur trois que ça vous donne un chalumeau de réparation. Ou sinon, bah, vous voyagez dans la map et vous en cherchez. Après, je sais que si vous tuez des gardes de l'IO qui sont en possession du char, donc si vous voyez des gardes de l'IO dans un char, si vous les tuez, eh ben eux vont vous donner un chalumeau de réparation obligatoirement. Donc je sais pas s'il y a toujours le char... à Tilted Tower, mais vous pouvez toujours aller voir, mais je pense qu'il y est plus. Mais je sais qu'il y a un char qui fait tout le tour de la map. Si vous croisez ce char, vous tuez les gardes de l'IO qui contrôlent le char, et là, ben, vous aurez un chalumeau, même deux chalumeaux obligatoires. Donc voilà, quand vous avez votre chalumeau, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réparer un véhicule. Donc le véhicule, regardez, là, il a 1200 de vie. Donc ce que vous faites, c'est que vous détruisez le véhicule avec votre pioche ou avec votre arme. Ensuite, vous prenez votre chalumeau de réparation et vous réparez le véhicule à hauteur de 200. Il va falloir réparer 200 un véhicule pour terminer le défi. Dès que vous aurez réparé un véhicule de 200 points de dégâts, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà, vous prenez le chalumeau de réparation et vous l'utilisez contre le véhicule pour le réparer. Rien de très compliqué. Et très important, le véhicule que vous devez réparer doit se trouver au circuit Shonker, donc juste ici, ou alors à Synapse Station. Si vous réparez un véhicule autre part, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une émote à différents lieux de crash d'aéronefs de l'IO. Donc les aéronefs, il y en a 3 de crashés, enfin peut-être qu'il y en a plus, hein, mais je ne connais que 3 emplacements d'aéronefs crashés. Donc il y en a un qui se trouve juste ici, à droite de Daily Buggles, donc voilà. Il y en a un autre qui se trouve en dessous de Condo Canyon, juste ici. Et il y en a un autre qui se trouve à Tilted Tower. Le problème, c'est que celui-là, il est enterré dans l'eau, enfin englouti dans l'eau, donc je ne pense pas que ça fera l'affaire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici, à côté de Daily Buggles. Vous vous mettez sur l'aéronef qui est crashé, voilà, et vous faites une émote. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez l'aéronef qui est à côté de Condo Canyon, donc juste ici, vous vous rendez dessus. Et dès que vous êtes dessus, ben vous faites une deuxième émote pour valider le deuxième emplacement. Dès que ce sera fait, dès que vous aurez fait une émote sur les deux aéronefs crashés, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'améliorer un fusil à pompe à tambour à un établi d'amélioration. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil à pompe à tambour. Donc, ces fusils à pompe, c'est tout simplement celui-là. Donc voilà, vous pouvez les trouver au sol posé comme ça sur la map de Fortnite. Vous pouvez les trouver dans des coffres et vous pouvez les trouver très facilement. Normalement, c'est pas très compliqué. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un établi d'amélioration. Donc pour vous aider à trouver cet établi d'amélioration, je vous affiche une map avec tous les emplacements des établis d'amélioration de Fortnite saison 2, chapitre 3. Donc ensuite, quand vous avez votre fusil à tambour, ce que vous faites, c'est que vous allez près de l'établi. Et là, vous allez tout simplement améliorer votre arme. Moi, de préférence, ben voilà, si vous trouvez un fusil à tambour d'arme typique, donc de rareté typique, ben utilisez-le, parce que plus la rareté est haute, plus vous allez payer en or. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement améliorer une seule fois l'arme, donc là, boum, je l'améliore. Et là, quand vous aurez amélioré une fois l'arme, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et ensuite, le dernier défi va vous demander de fouiller des boîtes à outils rouges. Alors, pour réaliser ce défi, il va falloir rechercher dans la map des boîtes à outils rouges comme celle-ci. Alors, il y en a un peu partout, hein, faut surtout regarder à gauche, à droite. Vous pouvez en trouver principalement dans les pompes à essence, dans les stations, dans les garages, etc. Mais même dans les maisons, vous pouvez en trouver
vous pouvez vraiment en trouver un peu partout. Donc dès que vous voyez une boîte à outils rouge comme ça, ben, vous la fouillez. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en fouiller deux. Dès que vous aurez fouillé deux boîtes à outils rouges, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.